que je savais que je serais entre 5 et 10 voix, mais je pensais qu'il y aurait une répartition plus juste qui permettrait un deuxième tour. Surpris par l'ampleur des votes pour Joseph Pons, je pense que l'appareil politique des Républicains a joué à fond et que les instances départementales ont rappelé des troupes qui avaient envie de se balader ou exprimer autre chose à l'ordre. Quelle va être votre attitude maintenant en cette agglomération ? Mais j'ai toujours eu la même attitude. Je suis un homme de construction. J'ai montré à travers ma participation au SCOT que je savais amener des choses sur ce territoire. Je continuerai à être actif, à amener ma vision du territoire et à la défendre.